À tester. Je vais tester. Alors, la différence entre les enquêtes simples, longues et les enquêtes simples, courtes, c'est la différence de preuve. En fait, dans les courses, en règle générale, on vous demande de trouver 2 à 3 empreintes. Là, c'est entre 3 à 5. Hein? Donc, ce qui fait que, bon, déjà, pour trouver les preuves, c'est plus long. Et pour exorciser le fantôme, c'est un peu plus complexe. Par contre, c'est une carte qui est, on va dire, petite. Donc, on trouve très rapidement le fantôme. Elle est relativement assez simple, en fait. Et comme c'est une carte que je connais très très bien, donc ben, je m'en vais partir là-dessus. Maintenant, je veux quand même, avant de partir, faire quelques achats. Donc lampe phare, je vais garder. Projecteur, trépied, pas vraiment besoin pour le moment. Appareil comme ça, là on est bon pour le moment. Là, si vraiment je voudrais faire de l'extrême, ben voilà, là, les objets gratuits, je les ai plus. Donc là, il fallait tout que je me rachète en fait. Mais là, pour le moment, je fais du simple. Donc, je garde ce que j'ai là. Du coup, on va regarder pour acheter. Donc, là, j'ai 225. C'est combien? C'est 250. Bon, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Voilà, principe. M2, allez hop, on n'en a jamais assez. Hein. On n'a jamais assez de sécurité. Voilà, il reste 75 euros. Allez, on va faire comme ça une fois, deux fois. Trois fois. Voilà. Il me reste un petit peu quelque chose en compte. Et on va y aller comme ça. De toute manière, les objets payants, dès que je les ai utilisés, je n'ai plus besoin. Hop, je les rentre. Ça, c'est safe. Mais où je consomme le plus généralement, c'est les crucifix et statues de Marie. Bon. Alors, ben. Deux patates. Deux patates. Chaud comme la braise. C'est parti. Non, je la trouve pas très bien, cette carte de la maison familiale, hein, USA, qui était à la base en Suède, mais moi, ils ont dû la déplacer. Il y a eu un problème avec des. En fait, les développeurs ont eu des problèmes avec certains viewers, téléspectateurs, disant comme quoi que non, ça ressemblait en aucun cas aux maisons. Suédoise, et du coup ils ont demandé qu'ils la déplacent, qu'ils la mettent aux États-Unis. Ils ont fait. Et voilà. Bon, alors ouvrons déjà la porte. Et donc je vais sortir ma lampe de poche. Je vais également directement sortir le 1000 m. Voilà qui est fait. Ben après, je sais pas, on verra. Alors, directement déjà, la lampe de poche, le 1000 m. Je vais directement prendre aussi la statue de Marie que je poserai à l'entrée. Personnellement, cette lampe de poche, moi, je l'aime bien. Directement, on la pose au sol.
Et le manomètre, il m'indique déjà qu'il y a un objet. Et quelque chose, ils environs. Ça. On va sortir le crucifix. Je m'en vais directement dans cette main-là. On va sortir l'appareil photo. Et on va aller se promener un peu. Déjà éventuellement sur pas déjà. Ah ben voilà, il y a déjà le fantôme qui est là. J'ai vu passer en tout cas. Il m'a semblé l'avoir vu passer. C'est peut-être une émotion. Voir s'il n'y a pas un tac au sol. Les pintacles qui sont en mode on les voit pas. Pareil. Symbole contre les murs. Pas 5 grammes. C'est une fille. C'est derrière au camion. Oh, aïe, 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 aïe. Ok, alors j'ai pu voir ce que c'est. Le crucifix ne servira à rien. Du tout. Crucifix ne servira à rien. Déjà. Poser. On va faire comme ça plutôt. Tac. Voilà, ça je peux déjà poser ici, ça sert à plus rien. Pareil photo, je vais le reprendre et je vais sortir des statuettes.
Car là, pour moi, c'est une enfant. D'ailleurs, elle a été stoppée net vers la statue. Pour tirer une, voire peut-être deux. Ah. Va être ça là. C'est une enfant. Quel côté elle est. M'a appris comme quoi tu pourrais avoir des trucs qui pouvaient être cachés. Celle-là. Ah ben elle est ici. La petite, elle est ici. Ah, attends, viens. Viens pas ici, petite. Viens. On va faire la photo. Voilà. Ça, comme ça, c'est bon. La statuette, je vais la garder, moi. Bon, je vais la poser, en fait. Je la verrai après. Et puis, on va aller chercher le reste. Peut-être ça. Ce que ça va donner. Coucou Bavaris, comment vas-tu? Ça. On va pas aller là. Là quand même, on sait jamais. Hein, donc le même méthode, mais dire qu'on trouvait quelque chose, ça c'est bien. J'espère que tu vas bien, ma valise, t'as passé une bonne journée. Directement la photo. Photo, photo, hein.
Ando, en frottant, frottant, clic-clac, Kodak, c'est de la boîte. Pareil photo, je le repose ici. Ici, là, voilà, c'est retraitement. Suite de ça, je vais chercher d'autres instruments qui vont m'aider à. Épreuve pour le fantôme. Nickel. Et enfin, un week-end. Ah ben ça, c'est génial. C'est génial de chez génial. Bon. Alors, moins 9, ER0. Si elle n'est pas passée, si elle est passée, c'est qu'elle m'a cramé la. Et autrement, elle n'a pas passé. Donc vous voyez, le résultat que je n'ai pas eu tout à l'heure, le fameux ER0, cette fois je l'ai eu. Je n'ai pu l'avoir. Du coup, on est arrivé qu'une une température négative. Donc maintenant, bah clairement, celui-là, je n'en ai plus besoin. Je peux le poser. Alors il se rangera pas. Je peux déjà marquer sur mon truc de preuve que la température projet d'entité elle est de température négative. Preuve écrite, je ne crois rien. Preuve audio non plus. Je sais juste que c'est en fait une enfant. On a pu voir la hauteur, on voit tout de suite que c'était une gamine. Donc ça, on est bon. Maintenant, température projectile magnétique, température négative. Donc en dessous de zéro. Ce qu'il me faut maintenant, c'est preuve écrite, preuve audio et analyse d'entité. Alors, pour ce faire, bon, on a déjà le K2. Et puis on va essayer de se faire, si on peut faire une 100%, on se fera une 100%. Pour moi, la statuette, elle est bonne. Ah, ça doit être ici, là. Et j'ai l'occasion de revoir l'entité. Direct tout proche comme j'ai fait avant. Ils sont trop éloignés des statues non plus. Vais chercher la reste. J'avais cru voir une ombre d'un camion. J'ai dit putain, elle est d'un camion. Mais non, c'est pas ça. Alors, du coup, on va dire qu'on va prendre ça. Et puis, caméra aussi peut-être. Allez, on va prendre la caméra. Aussi posée car on a besoin de filmer les interférences paranormales. Alors après, j'ai envie de dire peu importe qu'on la pose. Peux-tu écrire dans le livre? Merci. Gentille fille. Pour le moment. Alors, ça, on a une preuve supplémentaire. Qui est symbole dans le livre. C'est parfait. Super. Hop. On rajoute ça comme preuve. Preuve écrite. Livre symbole Tessin. En attendant, voilà, l'analyse d'entité est en train de se faire. Et on va aller tester la spirit box et le champ magnétique. Voir ce que ça donne là. Faut bien garder une statuette, pas que je suis cramé, c'est pas le cas.
Montre-toi, s'il te plaît. Montre-toi. MS5, parfait. Donc ça aussi, on peut rentrer. Et plus loin, quoi que. Non, je vais ça garder sur moi. Et donc la EMF5. Voilà. Analyse d'entité. Alors qu'il ne me reste plus que la preuve audio. La statue est toujours bonne. L'autre également. Hop, la dose box, elle est là. Parle-moi. Parle-moi. Tu peux parler en français? J'essaye. Parle en français. J'essaie des trucs, on sait jamais. Alors là, je sais pas si je peux dire WAF automatique, je ouvre la maison. Pas. Enfin, parle-moi. Parle en français. Peux-tu parler? Vraiment, on dirait des voix fantomatiques dans la maison. On entend bien que c'est une petite enfant. Je vais la laisser là, on verra bien. Donc, ça c'est good. Et puis, ah oui, schéma. Alors, c'est 9P350. P350. Voilà, et preuve audio. Bah, vu que j'avais éteint la spirite, qu'elle m'a aussi répondu, j'aurais tendance à dire off automatique du lieu. Voilà. Alors là, on a toutes les preuves en fait. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On sait que c'est une enfant. Qu'est-ce qu'il nous faudra pour l'exorciser? Là, on voit bien que niveau des preuves, on va même faire une peu après ensemble. Ça, on voit bien que niveau des preuves, c'était relativement assez facile. Hein. Donc, ça va, y a des fantômes qui sont nettement beaucoup plus compliqués à faire, niveau des preuves. Là, c'était très rapide. Même surpris. Alors, tirer sur l'entité avec un antigun. Ça, ici, ben voilà, c'est pas trop un truc complexe. Faire un flash proche de l'entité avec un appareil photo instantané, ça aussi. Rien de bien méchant. Et, non, ça, je n'étais pas d'accord. Alors, activer un bâton dansant dans la zone de hantise d'origine du fantôme. Voilà. Ça, alors, il faut que je trouve la pièce du fantôme pour activer un bâton dansant dans la zone de la hantise, jusqu'à ce que celui-ci se finisse. Cette pièce zone contient de nombreux orbes visibles par caméra. Justement, on va la chercher tout à l'heure. Lancer de l'eau bénite sur l'entité. Donc elle n'est pas au sol, ça devrait le faire. Ah, donc j'étais en train de dire le chat, mais bon, là à nouveau, hein, vous faites sans que je sois là, mais c'est parfait, hein, ça ne me dérange pas. Et réciter l'exorcisme du livre d'exorcisme
jusqu'à ce que tout le texte soit consumé. Parfait. Donc il me faut juste trouver en fait la salle où il y a les orbes. Veux dire que là, il va falloir que je prenne ma statuette, m'assurer au cas où si je me fais attaquer, d'être dans un endroit, on va dire, safe. Et je fais des conneries. Entendu, hein, je suis qu'un homme, j'arrive à faire qu'une seule chose en même temps. Après, il y en a qui vont en faire deux, hein. Moi j'ai de la peine. Mais par contre, téléphoner en roulant, ça, j'y arrivais. J'y arrivais. Alors, vu qu'elle est encore pas trop énervée, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais essayer de trouver salle de hantise. Sa salle principale. Salle d'origine. Alors maintenant, il n'y a plus que deux endroits où elle peut être. C'est soit dans la chambre, dans sa chambre, la chambre de la gamine, ou sous-sol. Donc, du coup, ça, on va ça poser. Ici. Donc quelque part par là. Pas très bien. Toc. Je vais prendre une vierge avec moi. L'appareil photo. Et donc elle va être dans mon coin. Ça, c'est ça. Apparemment elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas. Je pense qu'elle est là-bas. Ça serait pas. Ça pourrait être possible. C'est peut-être mal de regarder dans le garage. Dans le garage en fait. J'ai mal regardé. Je vais y retourner. Je l'ai vu avant tout à l'heure dans le garage. Peut-être là-bas. Et là, la gentille fifi. Voilà, ça je l'attendais. Passer à travers la. N'était pas contente, la fifi. Elle m'a quand même pas grillé ma statuette. Voilà la maladie de.
Et vous la vilaine. Après, faut bien regarder au plafond. Hein. Si vous voyez là-bas, il y a la lumière qui s'installe. Voilà, et là-bas la vilaine. Bah, allez, où je veux? Où je vais? Bah, c'est ballot ça. Passer ici, c'est sérieux ça. Donc corriger, on peut plus passer à travers les fauteuils. Ben, c'est bon à savoir en fait. Mieux voir les orbes. Je peux faire la tuette ici. Trouver. La pièce est éclatante, on va avoir la confirmation directement sur les photos. Donc là, on a l'objet maudit. Là, on voit qu'il m'a compté de l'argent. Le fantôme m'a pas marqué, m'a pas validé. Je vais y retourner. Si près, c'est possible. Trouver la pièce d'outil. Ah, ma cramé l'autre mari, d'accord. Parfait, on va prendre. Et là, du coup, on va la remplacer. Ça nous fera deux endroits safe. Et l'appareil photo, ben. Pas tout, voilà, la pièce de lentille. Je peux le lâcher, je peux le remettre là. Clairement plus grand. Le thermomètre non plus. Pas clairement, je vais reposer une statue de Marie histoire d'avoir un endroit safe. Comme ça. Oh. Là, je vais la sortir. Pareil. Hein. Et on va aller chercher de l'encens. On va placer dans la pièce. Ah, le petit grillé, celle-là, qu'elle est descendue. Voilà.
On va se rechercher encore une autre statuette. Vous voyez, hein? Il faut des statuettes en masse. Vous l'avez tous compris maintenant. Un statuette, donc ça m'en fait déjà. Ah, ça me fait déjà pour 100 euros de grillé. Hein. Ah non, je crois que l'autre, la première en fait, c'est celle gratos. Maintenant, pour l'instant, je suis qu'à 50. Je suis qu'à 50 euros. Je présume qu'elle est sûrement en bas. Là, ça a marché, c'est bon. Donc là, je me fais une partie longue, hein, au cas où. Bavaris, tu le savais pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste avec le Neutrino Gun, faire un flash. Avec un appareil instantané, activer bâton dansant, ça c'est bon, lancer de l'eau bénite sur l'entité. Essayer de faire le flash et l'eau bénite. Ce faire, il me faut ça et l'eau. Donc l'eau, j'ai compris comme quoi que l'eau, en fait, l'eau qu'on achetait était plus efficace que la gratuite. Elle prenait sur une plus grosse zone. Il y a toujours en bas. Ça va se montrer du coup. Entre toi. Ça c'est fait. Ça a fonctionné. On a bien vu la fumée bleue. On va demander qu'elle se remonte à nouveau. Entre toi. Pareil. Donc là, l'appareil. Le ranger, ici là, donc normalement il reste plus grand chose à faire. C'est le neutrino, donc le fameux fusil SOS fantôme. Chose, tranquille dans le camion. Alors, lancer l'eau bénite une entité, c'est bon. Ah ouais, il me reste encore ça. Et réciter le lit d'exorcisme. Ok, donc on va tirer sur l'entité. Vraiment sympa ce jeu, je trouve. Ah bah écoute. Si tu veux te faire plaisir et venir chasser le fantôme avec toi, avec moi, fais-toi plaisir, achète-le, il est pas cher. Je crois qu'il est quelque chose comme 15 balles. 15 balles francs suisses, donc hein. 15 francs suisses. Et autrement, il est, je ne sais pas, quelque chose comme aux alentours des 15, 14, 15 euros.
Et je dirais, il faut presque profiter de le prendre maintenant, parce que du moment qu'il ne sera plus en early access, il sera plus cher. Donc, à mon avis, si tu veux, si tu t'intéresses, fais-toi plaisir. Après, tu ne le trouveras pas sur Instant Gaming, uniquement sur Steam pour le moment. Et donc, lancer de l'eau bénite sur l'entité, ça, donc c'est fait, je me répète, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va aller tirer avec le fusil SOS Fantôme. Alors, je sais qu'il s'appelle pas comme ça, mais j'aime bien l'appeler comme ça, moi. Vous voyez cette pauvre petite fille. Où devrait être sa place? Montre-toi. Et donc, il ne manque plus qu'à faire la prière. Et on devrait avoir une jolie feu d'artifice. Pour ça, pas besoin de revêtir le joli uniforme de prêtre ou de curé ou de pasteur. Juste lire, ça suffit. Alors, toi qui hantes ce lieu au nom du Seigneur, je te demande de repartir d'où tu viens. Que ton âme retourne à la terre. Que ton corps retourne à la poussière. Ainsi soit la volonté du Seigneur. Quelque chose de bleu. Donc j'ai vu des flashs bleus. On n'a pas vu les étincelles malheureusement, je pense qu'elles devaient être dessous. Enfin voilà. Ce qui me concerne là, ça, le problème, il est clos. Si je prends le MF, je vois que là, je suis retombé à zéro. Clairement, l'entité est partie. Voilà, elle a été renvoyée dans l'autre monde. Du coup, me prendre un grand clé de matos, j'ai vu que tous les objectifs avaient été faits. Là, niveau statuette, voir l'autre, si j'avais perdu quelque chose. Ah ben, elle avait aussi grillé l'autre, donc du coup, ça me fera 100 euros à redépenser pour deux statuettes. Bon, voilà, parfait, les amis. Là, vous avez vu une version longue, une version simple, longue. La maison familiale USA. Donc, sans plus tarder, je m'en vais rentrer et voir. J'ai touché, hein? Alors, c'est quoi ces petites étoiles là? J'arrive pas à voir en fait. Ah, GG, ah, c'est le fameux GG. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et, alors, comme ça, on va faire. Merci beaucoup, merci Bon, allez, rentrons et allons voir les pépettes. Bien. Bien, bien, bien. Alors, là, par contre, ça a dû peut-être un petit peu plus payer. 323 euros. Ouais, c'est quand même mieux déjà.